première mi-temps, je commence par là, a été vraiment très très difficile. Ouais, c'est vrai que la première mi-temps, on a eu du mal à rentrer dans le match. C'est vrai qu'ils nous ont bien rentré dedans, ils avaient plus envie que nous. Mais après, voilà, sur la deuxième mi-temps, on a relevé la tête, on a dominé le match, on a eu des occasions. Voilà, je pense à celle de José Casimir. Mais sinon, voilà, dans le match, je pense que c'est 50-50, le match nul est mérité. Ils ont fait leur première mi-temps, on a fait notre deuxième mi-temps. Donc quoi, le match nul est mérité. J'ai eu le sentiment, enfin, c'est ce que je me suis dit, qu'à la mi-temps, vous avez dû prendre une bonne souffrance de la part du coach, non ? Ouais, c'est vrai que le coach nous a remis sur le droit chemin. Voilà, il nous avait dit que la première mi-temps n'était pas terrible. Voilà, donc sur la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'aussi il a fait des changements, les remplaçants ils ont apporté. Donc ouais, voilà, il nous a dit de relever la tête. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Ce match nul est mérité, même si on pouvait gagner sur l'occasion de José Casimir. Est-ce qu'il faut partir du principe que, compte tenu des absents, de l'effectif très très jeune qui joue actuellement, faut faire le dos rond et puis bon, à la limite le compteur il tourne, il n'y a qu'une défaite en 4 matchs. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Ouais, c'est vrai qu'il y a des absents, c'est vrai que surtout les deux centraux ils sont pas là, c'est vrai qu'aussi Nabil aussi n'est pas là, c'est vrai qu'il y a des jeunes, ouais c'est vrai, voilà, on a fait le dos rond aujourd'hui, voilà, on ramène un point. Voilà, c'est mieux que zéro. Donc voilà, on va se contenter de ça et voilà, on va repartir la semaine prochaine contre Niort pour chercher les 3 points. Ce point, on le doit quand même en grande partie à vous. Ouais, voilà, c'est vrai que j'ai fait mon taf. Voilà, mon objectif, moi, c'est de ne pas prendre de but. Après, c'est vrai que la défense m'a bien aidé. Les attaquants aussi, ils ont tous défendu. Toute l'équipe a défendu. Donc ouais, voilà, c'est pas que à moi, c'est aussi aux autres aussi qui sont bien défendus. Voilà. Si vous aviez un message à faire passer aux supporters qui sont frustré par la qualité du jeu. Est-ce que déjà, un, vous pouvez les comprendre, et deux, qu'auriez-vous envie de leur dire? Je leur dirais, déjà, je les comprends, mais après, je leur dis aussi, on a une équipe jeune. C'est vrai que c'est pas facile pour nous, on se donne à 100%. Et voilà, au fil des matchs, je pense qu'on va, on va produire un meilleur jeu. Donc voilà, JCO supporters, on arrive.